Bon, moi je pense que je viens d'une blessure très grave. Je pense que j'ai fait une opération au niveau du genou, donc je n'ai pas joué cette année. Je suis à Marie chez moi, je viens d'une blessure très grave, donc je pense que c'est la raison pour laquelle je n'ai pas encore trouvé toutes mes repères en terrain. Mais, alhamdulillah, Dieu merci. Avant de venir dans l'équipe nationale, j'avais commencé les entraînements et tout avec mon université et tout. So, on m'a donné le feu vert, les médecins m'ont donné le feu vert. Je pense que c'est la seule raison qui explique pourquoi Yassine n'est pas vraiment à 100% à leur chemin. Il y avait une question pour le coach. Bon, je voulais juste ajouter que plus progressivement on la ménage un peu, parce que c'est 5 minutes que je lui donne, pas 4 ans, 5 minutes. Même le deuxième 4 ans, je ne l'ai pas mis. Elle est restée sur le banc pendant 10 minutes. Donc je pense que maintenant on a besoin d'elle mais plus tard. Et ce n'est pas la peine de publier son genou maintenant. Voilà, donc nous, on essaie de gérer vraiment ces filles-là pour que, au moins voulu, elles vont rester plus de temps sur le terrain. 8 minutes, c'est minimum, pas 4 ans. Mais là, 5 minutes pour moi, elle y a assez de beaucoup. Même 4 minutes, c'est ce qu'elle devait avoir. C'est moi qui exagère, je lui donner 5 minutes. 2 ou 4 ans, rien du tout. On a un contrat avec son entraîneur. Okay? Donc elle était à 95% de. Au niveau du genou, avant qu'il arrive, on les met à 100% qu'il n'a pas eu. Donc voilà, donc c'est juste une question interne qu'on essaie de gérer. Mais en même temps, elle a mis 11 points, elle met plus de 10 points par match. Ma question n'est pas encore répondue.